Commémoration du 13 mai 1972, grande manifestation à La Laguille. Les parlementaires pour le changement ont tenu à marquer d'une pierre blanche la commémoration de la date du 13 mai, hier sur le parvis de l'hôtel de ville d'Anna Laguille. Ils ont convenu avec leurs partisans de se vêtir de blanc pour l'occasion. Un culte œcuménique a ainsi été organisé en la mémoire des manifestants du 13 mai 1972, dont quelques-uns ont été aperçus sur place hier, à l'instar de Maître Willy Razavzatouf, qui était une figure de proue de ce mouvement historique. Maître Willy Olala Razavzatouf a tenu à apporter son témoignage afin que la nouvelle génération puisse en prendre de la graine. Notre juriste a saisi cette opportunité pour arguer qu'il importe de tirer des leçons du passé. Voilà pourquoi il a tenu à le ressasser, se référant ainsi au régime en place, lequel a tendance à reproduire les erreurs du passé, selon lui. Il a également dénoncé l'intransigeance dont l'actuel régime fait preuve. La commémoration du 13 mai a également été caractérisée par la prestation de diverses formations musicales spécialisées dans les chants évangéliques, pour ne citer que les groupes Njina Ramamund, VHF ou TDL.